Bonjour à tous. Aujourd'hui, courte vidéo, car ce matin, j'ai décidé d'écrire un texte euh, à la suite du premier tour des élections présidentielles, car je voyais beaucoup de gens appeler à voter Macron pour faire barrage au fascisme. Alors, voter pour Macron, c'est voter pour le fascisme corporatiste eugéniste originel. Voter Macron, c'est voter pour la destruction définitive de notre pays, de notre peuple et de notre économie. Hypocrites ou traîtres, ceux qui appellent à voter Macron pour faire barrage au fascisme n'ont rien compris au fascisme, ni à la menace qui pèse sur le monde occidental d'aujourd'hui. Qui a bombardé la Libye L'Irak, le Mali, l'Afghanistan, l'extrême droite Non. Le PS, LR, Obama, qui est noir d'ailleurs, bombarde d'autres noirs, reçoit le prix Nobel de la paix, tape sur Trump, qui n'a pas fait un dixième de ce qu'il a fait. N'avez vous pas encore compris qu'on agite l'épouvantail d'extrême droite, à raison sur certains points évidemment, pour mieux faire passer le fascisme originel? Derrière les deux grandes guerres mondiales, derrière la construction de l'Europe, et derrière l'Europe actuelle, derrière les plus grandes institutions internationales, OMS, FMI, Banque mondiale, BRI que personne ne connaît, CIA, NASA, etc., ce sont des nazis. Les Rockefellers, les grands pontes de l'industrie, IG Farben, cartel industriel comprenant Bayer, qui ont testé leurs produits expérimentaux sur les communistes, les femmes, les handicapés, les homosexuels, les juifs, enfermés dans les camps nazis. Macron, von der Leyen, Klaus Schwab, du Forum économique mondial, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, sont les descendants de ces gens-là. Et ils osent nous dire. Que Le Pen et Trump sont les pires menaces pour notre démocratie. Macron, qui a usé du 49.3, qui vous a forcé à vous faire injecter un produit dont 70 d'entre vous ne voulaient pas, mais l'ont accepté à grand renfort de propagande et de pression. Vous le savez très bien au fond de vous, mais vous ne voulez juste pas vous l'avouer. Macron, qui a masqué vos enfants, qui les a torturés pendant des mois. Avez-vous écouté vos enfants? Ou avez-vous encore une fois plié sous la pression politique et sociale Macron, qui a supprimé l'ISF, détruit la location chômage, veut faire travailler 20 heures par semaine ceux qui sont au RSA, se fait conseiller par McKinsey alors que nous n'avons jamais élu ces gens-là. Macron n'a qu'une idée en tête détruire ce qu'il reste de notre pays et le vendre à ses amis. Instaurer la surveillance de masse et le transhumanisme. En gros, Poursuivre ce qu'il a déjà commencé à faire. Et vous avez peur de Le Pen parce qu'elle veut interdire le voile Ce qui est d'ailleurs impossible à appliquer quand on y réfléchit cinq minutes De mon point de vue, c'est inadmissible. Chacun doit pouvoir exercer sa religion et être qui il est sans être inquiété. Et ils font condamner ce genre de discours. Mais réfléchissez bien à ce qu'est le fascisme. Dépassez vos croyances et heurtez-vous à la contradiction. Ne vous trompez pas de fascisme. Ne vous trompez pas d'ennemis. L'ennemi de tous les peuples confondus, c'est le grand capital. La finance internationale, qui veut asservir l'humanité, sans distinction de couleur, d'ethnie ou de culture. Celui qui, sous son rouleau compresseur, met les peuples du monde à l'agonie depuis plus d'un siècle. Celui qui ne place pas un peuple au-dessus d'un autre, mais une caste au-dessus d'une autre. Scoop, vous êtes des cafards pour ces gens-là. Vous êtes interchangeables. Ils pensent d'ailleurs que nous sommes trop et veulent supprimer une partie d'entre nous. J'ai toutes les sources à vous fournir si vous êtes intéressé. Oui, la pandémie de Covid-19 a été provoquée et instrumentalisée à des fins économiques et politiques, totalitaires et réellement fascistes. Oui, j'assume qu'on me traite de complotiste car ceux qui le font sont des ignorants et ne se sont jamais intéressés à ces sujets-là. Ils ont peur de la pression sociale de voir s'effondrer les convictions qu'ils n'ont même pas construites eux-mêmes, mais qu'on leur a appris à chérir à travers la propagande médiatique, Hollywood, la musique. Ça s'appelle le soft power ou la guerre culturelle. Si certains sont intéressés par des sources, des preuves, ou des écrits venant appuyer ce que je raconte, vous savez où trouver. Je tiens à rappeler à tous que j'ai dédié les deux dernières années de ma vie à la compréhension du monde. J'ai traduit des dizaines et des dizaines d'experts, écouté des centaines d'autres, et cela m'a valu d'être ignoré, raillé, voire insulté par certains, que je ne citerai pas ici, car je ne suis pas dans une guerre d'égo stupide. Le problème est qu'il ne s'agit pas de moi ici. Il s'agit de nous tous, de notre pays, de nos pays. L'heure est trop grave. Les nazis qui sont à nos portes font passer les petits fachos pour les grands méchants. Ils s'enveloppent dans le voile de l'inclusivité, du droit des femmes, des LGBT, des minorités, mais sont pires en tout point que ceux qu'ils accusent. D'ailleurs, les nazis, ça ne vous rappelle pas l'Ukraine Oh non, pardon. Les médias ont dit que Poutine était très méchant et qu'il n'y avait pas de nazis en Ukraine. Eh bien, si, il y en a. On leur envoie des armes et du fric d'ailleurs. Je ne suis pas ici pour vous dire pour qui voter. Vous êtes assez grands. Mais pour vous dire de ne pas vous tromper de fascisme et d'aller consulter ce que ces vilains complotistes ont à dire plutôt que de les mépriser ouvertement. Pour construire une démocratie réelle, il ne faut pas de tabous. Il faut pouvoir parler des sujets qui fâchent, calmement, et trouver des solutions entre adultes responsables, pas entre adolescents capricieux. Je suis, et ai toujours été, pour le pouvoir au peuple, pour le pouvoir de chacun de décider ce qu'il souhaite pour sa vie, pour ses enfants, pour sa communauté, pour la paix. Et l'harmonie entre les êtres humains. Sans dialogue, pas de démocratie. Sans adultes responsables non plus. D'ailleurs, Marine Le Pen, au-delà de sa sincérité, soutient publiquement le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et propose de l'intégrer dans son programme. Certes limité et critiquable, mais elle le promeut, contrairement à Macron qui en a peur. À bon entendeur, bon effondrement à tous. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de vous prévenir. Je vais clôturer avec deux citations. La responsabilité de chacun implique deux actes vouloir savoir et oser dire. L'abbé Pierre Les élections sont une comédie et les européistes vivent avec une idée fausse de leur rapport propre avec la démocratie, avec un élément de fausse conscience. Ils se pensent comme des démocrates libéraux, qui se battent contre une extrême droite menaçante, alors qu'en vérité, L'intégration dans la zone euro a liquidé le principe de souveraineté monétaire, donc le principe de souveraineté populaire, donc la démocratie. En gros, les européistes ne savent même pas qu'ils sont des fascistes. Emmanuel Todd